Si je vous dis qu'aujourd'hui on va parler d'un mec qui s'appelait Jésus, qui était mexicain et qui pilotait un train rempli de dynamite pour sauver tout son village, vous allez me dire, mais Tuni, tu es complètement taré? Et je vous répondrai que oui. Bon, je vais vous présenter encore une fois une zone d'internet sur laquelle j'avais déjà fait des vidéos et qui est absolument incroyable. En fait, ça recense des choses exceptionnelles qui se sont passées et ça nous les condense comme ça pour que moi je puisse en faire des vidéos et vous en faire profiter au passage, parce qu'on adore ça. Je sais que vous êtes extrêmement curieux, je sais que vous allez adorer, vous allez voir, il y a des choses extraordinaires. Notamment un Mexicain qui s'appelle Jésus et qui pilotait des trains remplis de dynamite. Jésus 2, le retour. Et d'ailleurs, on va commencer par cette histoire, ça s'appelle des Till Today I Learned. Attendez, c'est pas aujourd'hui j'ai appris en mode ultra chiant. C'est des choses que vous allez pouvoir ressortir en soirée comme ça pour vous la péter. Bah oui. Ici est le but de cette vidéo, détente, je le rappelle. On est dans la détente, prenez une camperinha, fumez un petit cigare, fumez pas parce que c'est pas bon pour la santé. Mais mettez-vous bien, en 1907, un fermier mexicain nommé Jésus, ça ne s'invente pas. Jésus Gracias, il s'appelle quand même, hein. Donc Jésus merci. Merci Jésus, le mec. C'est son nom, hein. Attention, hein, je l'invente pas. À un moment donné, tu viens sur Terre, merci Jésus. Bon, très bien, bref. Jésus Gracias a sauvé l'ensemble de la ville de Nacozari en conduisant seul un train endommagé et en flammes contenant de la dynamite à 6 km de la ville. Attention, avant que celui-ci n'explose. C'est-à-dire que le mec a décidé, à un moment donné, il était dans le train, le mec était là, il avait son ticket Ouigo, il voit le truc qui pète de flammes, il sait qu'il y a de la dynamite derrière, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il va le piloter, normal. Ah, par contre, j'avais pas vu la fin, mais en fait, le train a fini par exploser, et il l'a freiné, et en fait, Jésus Garcia, il est décédé. C'est un héros, c'est un héros, bravo à lui, il a quand même sauvé un village entier. Pas sûr qu'à la SNCF, ils en fassent autant. Je plaisante, j'adore la SNCF, je suis amoureux de la SNCF. J'ai un petit hôtel SNCF chez moi, je prie tous les jours comme ça, je dis merci la SNCF. Je prends jamais le train, je suis agoraphobe. La Norvège est l'un des pays les plus riches du monde. Il dispose d'un fonds souverain de 1 billion de dollars, soit environ 200 000 dollars pour chacun de ses 5 millions de citoyens, afin de soutenir les générations futures. Non, parce que nous, avec la mairie, on a le droit à un pass bibliothèque pour louer 3 livres. Éventuellement, une fois par an, en France, nous, l'État, il nous donne un pitch pour le goûter à 4 heures. Et là-bas, en Norvège, les mecs ont 200 000 dollars pour chacun. Au calme, une petite baraque, on va dire. Après, la vie est très chère en Norvège. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouh là 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 là, attention, on est presque sur un jour intarsé. Attention, alors là, accrochez-vous bien. On est sur une croisière, et donc il y a une femme qui aurait été assassinée par son mari, apparemment. Et tout ça se passait en Alaska. La croisière, elle était basée sur le thème de Sherlock Holmes et de mystérieux meurtre, que Sherlock Holmes devait résoudre, hein, à la base. Et en fait, quand ils ont joué le spectacle, eh bien, il y a des passagers qui ont cru que les cris qui provenaient des cabines, eh bien, ça faisait partie du spectacle. Alors que non. C'est horrible. Tintin, 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 j'adore ce générique. Attention, info incroyable, les licornes existaient vraiment il y a environ 29 000 ans. Je viens de le découvrir. Ce sont des licornes et ça existait il y a à peu près 30 000 ans. Attendez, on va voir ça en plus grand. Voilà, donc les licornes, ça ressemble à ça. Bon, ça chie pas des arcs-en-ciel, évidemment, hein, je pense. Mais on peut dire que les licornes ont existé. Oui, effectivement, voilà. On en découvre tous les jours avec Père Toonlard. Hein. Je viens de découvrir que la reine Elisabeth II avait été mécanicienne durant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, parce que tu vois la reine d'Angleterre en train de te faire ta vidange, je pense que tu vois flou, hein. À un moment donné, tu l'imagines sur un trône en train de manger, je sais pas, de la gelée royale. Tu l'imagines pas la gueule dans le cambouis, comme ça, en train de te changer une roue. Non, ça n'existe pas. Faut croire qu'elle maîtrisait la clé à pipe. Oula, c'était un peu nul. Il y a un truc encore extrêmement étrange. Il faut que le capybara salé, donc c'est cet animal qui est absolument énorme, c'est le plus gros rongeur, je crois, du monde, il faut qu'il soit consommé pendant le carême au Venezuela. En fait, la popularité du plat a poussé le Vatican à déclarer que le capybara n'est pas de la viande, mais du poisson. Capybara, ça ressemble à ça. Est-ce que ça, c'est un poisson? Bah, bien sûr que non. Si je lui rajoute comme ça un aileron, est-ce que c'est un poisson? Bah, c'est toujours pas un poisson, arrêtez. À un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on met dans les hosties, hein, non, parce que les gars, si vous commencez à avoir des hallucinations alors que vous bouffez un morceau de galette comme ça, c'est que dedans, il n'y a pas que du pain, hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, on appelle ça un étouffe chrétien. D'expulser le corps étranger par un effet de piston. Info exceptionnelle, je suis tombé sur ça, je suis resté abasourdi. Écoutez bien. Le président américain Jimmy Carter a été attaqué par un lapin des marais alors qu'il pêchait. Ah oui, donc ça, c'est un lapin des marais. Je savais même pas qu'il y avait des lapins qui pouvaient nager comme ça. Non, parce qu'à un moment donné, le capybara, c'est un poisson, on est d'accord, mais un lapin-poisson, faut arrêter. Il y a un problème en Amérique, hein. Les poissons sont des rongeurs, les rongeurs sont des lapins, arrêtez. Oui, enfin, les rongeurs sont des lapins.
Vous faites pas dire ce que j'ai pas dit. Apparemment, les astronautes de l'ISS sont très poétiques sur tous les aspects des expériences. À l'exception des toilettes. On peut s'en douter parce que ça doit être un peu chiant pour aller caguer, hein, vous voyez ce que je veux dire. Non, parce que t'es dans le vide spatial, tu lâches ton truc, le machin s'envole, c'est un peu chiant. Non, parce que l'autre qui est en train de manger à côté, il voit passer une crotte de l'espace, enfin c'est chiant quoi, tu vois. T'es tranquille à bouffer tes lasagnes lyophilisées, tu vois un nuage de pipi passer devant tes yeux, c'est chiant. On va pas se mentir, on est tous d'accord. Bon bref, en tout cas, ils utilisent un ventilateur pour évacuer les excréments et doivent être emballés à la main au moment où elles commencent à être pleines. Puis scellés dans un sac en plastique pour attendre l'évacuation dans une navette. Je pense qu'ils font avec les moyens du bord et c'est le meilleur truc qu'ils ont pu trouver. Hein. J'imagine que les ingénieurs de la NASA ont pensé à tout. Hein. On va pas commencer à trouver des idées pour optimiser leur façon de cailler, les gars. Non, parce que la NASA, en termes d'ingénierie, nous met tout ça plein. Vous pouvez chercher empaqueter sa daube à la main, c'est le meilleur système qu'ils aient pu trouver. Hein. Vous trouverez pas mieux. Je viens de lire un truc, alors je sais pas si je peux en parler ici, mais... C'est de la biologie, c'est de la science, vous savez, vous connaissez maintenant ma passion pour les sciences. Bon, c'est pas moi, hein, c'est marqué là, on va le lire ensemble. Jusqu'à ce que nous ne sachions toujours pas pourquoi les femmes ont initialement développé une poitrine élargie, donc on va parler ni boobs, de façon permanente après la puberté. En gros, ils savent pas pourquoi les femmes ont des nibards, voilà. C'est un peu ça le délire. Et il y a des théories qui concluent que c'était pour donner au bébé quelque chose auquel s'accrocher. On est sur une prise d'escalade, hein, de manière naturelle, qui s'est développée comme ça naturellement pour les femmes, apparemment. Hein, attention, c'est marqué, c'est pas moi qui le dis. Hein, moi, je dis rien. Hein. Sujet sensible. Hein. Et agissant comme une réserve d'énergie, comme les bosses de chameaux. C'est marqué, les bosses de chameaux. Ils sont en train de comparer les femmes à des chameaux. On va maintenant parler d'abeilles. Et regardez bien, c'est incroyable. Quand une ruche devient trop pleine, des abeilles forment un sénat composé d'abeilles plus âgées plus expérimentés qui chercheront un nouvel emplacement. Quand une abeille trouve un bon emplacement, elle commence à danser pour amener les autres abeilles vers elle. Hé hey les gars, j'ai trouvé une nouvelle zone où se développer. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Est-ce que vous voulez faire du miel avec moi? J'arrête. Donc en fait, elle commence à danser pour leur dire de venir. Parce que toi, quand tu vois ton pote en boîte en train de danser avec 3 grammes dans le cornet, ta pote avait envie d'aller avec lui pour fabriquer du miel, si tu vois ce que je veux dire. Bon bref, en tout cas, elle, c'est leur système. Et ensuite, apparemment, elles dansent toutes ensemble, en groupe, comme ça, jusqu'à ce qu'elles soient d'accord pour valider l'emplacement. Je pense que c'est le meilleur moyen de communication au monde. Toi, t'es là, t'arrives à ta réunion du lundi, faut valider le plan qui est chaud sur les pipelines en Europe de l'Est. Tout le monde costard cravate, petite gomina, chaussures bien polish. Tu te dis, bon, la journée va être chiante. Tu vois Jean-Roger de la compta qui se met à danser sur la table, qui dit, ouais, les gars, les pipelines, ils sont chauds, on peut y aller. Tu vois ton boss qui se met sur la table en slip en train de danser pour valider le dossier. Je pense que tu restes dans ce boulot-là, hein, parce que si tu vois ça, c'est quand même le bonheur. Enfin, ça dépend de la gueule de ton boss, hein, évidemment. Enfin, parce que si il a 80 balais et qu'il est moitié fondu, ça fait pas rêver. Personne ne veut voir une guimauve danser, on est tous d'accord. Non, attendez, attendez. Je ne dis pas que les vieux de 80 ans sont répugnants. Non, enfin bref. Vous avez compris l'idée, voilà. Prochaine fois que vous allez à votre boulot, maintenant, vous demandez à votre patron de danser pour valider un truc. Et il faudra que vous répondiez en dansant, évidemment, hein, sinon ça marche pas. Vous allez vous faire virer, hein, ne faites pas ça. On ignore ce que Neil Armstrong a amené personnellement avec lui sur la Lune et l'enregistrement de sa trousse de propreté, donc sa trousse de toilette. Armstrong a fait une visite sans prévenir dans un cratère et on suppose qu'il a laissé le bracelet de sa fille décédée. Encore une histoire incroyable. Ah oui, alors j'avais déjà entendu parler de ça, en fait. En ce moment, Bill Gates, il est à fond sur les chiottes. C'est-à-dire qu'il a un peu laissé Microsoft de côté. Et son délire, c'est les toilettes dans le monde. Voilà, c'est sa nouvelle passion. Le mec passe à révolutionner le monde de manière informatique à la fabrication de chiottes. Parce qu'apparemment, c'est l'un des gros problèmes dans le monde, les chiottes. Voilà. C'est dit. Le problème dans le monde, c'est les chiottes. Donc en fait, Bill Gates, il a essayé de développer des trucs comme ça dans des pays où c'est un peu galère. Et apparemment, il a réussi à fabriquer des chiottes qui coûtent seulement 350$ et qui sont alimentées avec des vers, en fait. Des vers qui mangent les trucs. Et c'est l'invention de Bill Gates. Vous avez Windows 98 et les chiottes à 350$ de Bill Gates. Non mais on rigole, mais les chiottes c'est hyper important. Les chiottes c'est hyper important parce que c'est ça qui va aussi développer des maladies. Donc lui, il s'est dit, si on prend le problème à la source, eh bien on peut comme ça éradiquer certaines maladies. Et je pense qu'il le sait mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, vous allez voir. Un programmeur américain a été surpris en train d'embaucher un programmeur chinois pour faire tout son travail, pour un cinquième de son salaire. Et c'était considéré comme bien rémunéré pour le chinois. C'est-à-dire que le mec avait la flemme de bosser, il allait prendre un chinois qui payait beaucoup moins cher pour faire tout son travail. Le mec, c'est un crevard. On a découvert son lieu de travail plus tard, et figurez-vous, qu'est-ce qu'il faisait le mec avec toutes ses journées libres? Il regardait exclusivement des vidéos de chats. Très bizarre quand même comme histoire. Hein. On va pas se mentir, c'est très très étrange. Oh mon dieu, oh putain, ça c'est atroce, regardez, écoutez bien. Un cimetière en Floride a disparu il y a 100 ans. Bon déjà ça parle de cimetière, vous sentez le truc venir. Le journal local a commencé à le rechercher et, grâce à des vieux documents, a appris qu'un complexe de logements sociaux avait peut-être été construit dessus.
horrible. Toi, t'es chez toi, tu lis dans le journal, les gars, il y a des morts en dessous de ta maison. Tu sues, la sudation commence. Oui, un archéologue a utilisé un radar pénétrant dans le sol pour voir ce qu'il y avait, justement, en dessous. Et devinez ce qu'il a trouvé. 120 cercueils sous les HLM. Oui, oui, oui. Je pense que après ça, tu dors pas très bien. Non, parce que t'es dans ton lit et t'imagines les trucs en dessous, c'est non. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, peut-être parce que ça me stresse. Ah oui, donc le mec a même fait une cartographie, donc c'est pas vraiment sous les maisons. Il y en a probablement sous les maisons, hein, attention. Hein. Mais c'est-à-dire que dans ton jardin ou dans ton allée, tu vois ça, tu sais que y a des gens en dessous. C'est horrible. Voilà où on en est quand on utilise des radars pénétrant le sol. Il y a un mythe qui vient de s'effondrer devant moi, là. C'est-à-dire le mec qui fait Iron Man, donc Robert Downey Jr., il a commencé à consommer des substances un peu cheloues à l'âge de 6 ans. C'est-à-dire qu'à la récré, pendant que ses potes ils mangeaient des chocobéennes, il y avait Robert au fond de la cour qui se roulait des sticks. Bon, déjà, image un peu bizarre. Iron Man, moi, j'imaginais pas comme ça. En fait, il a commencé à 6 ans lorsque son père lui a donné un pot de trucs un peu pas très bon. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce père? Tu lui donnes pas ça à ton enfant de 6 ans. Tu lui donnes un chocobéenne, tu lui donnes pas un pot de weed. Bon, bref, à l'âge de 8 ans, il admet être toxicomane. À 8 ans. Iron Man, qu'est-ce que tu fais? Il est sobre depuis 2001. Ensuite, il est devenu l'acteur le mieux payé en 2013 et 2015, et la seconde star au box-office, ayant le plus gros chiffre d'affaires de tous les temps. Ne tirez aucune conclusion de ça. C'est pas parce qu'à 6 ans, vous allez... Non, c'est parce que le mec, c'est Iron Man avant tout. Ne l'oubliez pas. C'est mal, on le sait tous, c'est mal. Vous voyez, il y a un joueur de baseball extrêmement bizarre qui est mentionné. L'homme le plus étrange à avoir jamais joué au baseball, comme ils disent. Il parlait plusieurs langues et avait trouvé une carrière post-baseball, donc après sa carrière, comme espion américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mec est surdoué, c'est un pro du baseball et il finit espion. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Un homme a été cuisiné vivant dans un four à 270 degrés Celsius. Avec environ 12 livres de thon. C'est-à-dire une quantité phénoménale de poisson. Comment tu peux te faire cuisiner avec du thon? C'est quoi? Apparemment, c'est dans une usine où ils faisaient cuire du thon. Le mec a fini dans un four en boîte de conserve. C'est horrible. Attendez, ça c'est un truc de fou aussi. T'as un pilote d'hélicoptère qui décide de battre un record du monde. Il est allé voler à presque 41 000 pieds d'altitude. Un hélicoptère à cette altitude, il galère. Hein. Effectivement, il galère parce que son hélico est tombé en panne. Bon, déjà, le mec bat un record de hauteur. Il a réussi à atterrir sans moteur avec un hélicoptère tout en douceur. Et il est pas mort. C'est-à-dire qu'il a battu un record de hauteur, mais aussi un record de descente sans moteur avec un hélicoptère. À un moment donné, t'es comme ça, ton ego, il grossit, et il explose. C'est mérité. On va dire que le record est mérité. On est encore sur Star Wars, et c'est une information incroyable encore une fois. En 2013, une pétition demande au gouvernement des États-Unis de construire une étoile de la mort. Cette pétition atteint 25 000 signatures. Welcome to America. Le fait d'avoir 25 000 signatures, ça oblige la Maison Blanche à répondre, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Quelle était la réponse de la Maison Blanche? L'administration ne prend pas en charge l'explosion des planètes. C'est-à-dire que le mec dans son bureau ovale, il a fait comme ça, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Un chameau du nom de Douglas a été tué par un tireur d'élite de l'Union au siège de Vicksburg. Une équipe de 6 tireurs d'élite confédérés a été réunie et chargée de venger sa mort. Faut imaginer que dans les bureaux de l'État, il y a une réunion de crise et des mecs disent, ils sont en costard, hein, attention, hein. Ils sont pas là à danser pour se mettre d'accord comme les abeilles. Hein. Ils se disent, on a un chameau qui est mort, on va envoyer des commandos pour le venger, quoi. Il y a même une pierre tombale à son effigie, le chameau. Non mais faut arrêter, les gars. Pensez à vous abonner, c'est extrêmement important. C'était une vidéo des Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous invite à aller voir celle-là. C'est la dernière que j'ai faite récemment. Merci à tous. À très bientôt. Je vous embrasse fort. Et puis on se dit à la prochaine, les amis. Ciao.